Okay, DM me. Gutierrez, he's there, he's there. Okay. And natural second ball was there. No. Okay. Oh, see, see Pablo, see guys. The first touch. Bravo, guys. Second ball. This is the Aujourd'hui, on reçoit en notre entre une délégation des sapeurs-pompiers de Nice. Chaque année, nous faisons un championnat de France avec les pompiers. On pourra représenter le 6-06 avec les couleurs de l'équipe Fagnon du département au niveau national. Il y a un particulier avec ce club car la totalité de l'équipe est supporter avant tout de l'OGC Nice. Au nom de tout le monde, on tient à remercier l'OGC Nice pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci beaucoup. Dans cette délégation, j'ai eu le plaisir de retrouver quelqu'un qui avait malheureusement vécu un drame au tout début de ma carrière à l'OGC Nice, il y a presque 20 ans. Et Anthony, que je pense beaucoup vont se souvenir, qui avait perdu donc un doigt lors d'un Nice-Marseille. C'était le début dans ma jeune carrière de pompier. C'est vrai qu'après l'accident, j'ai eu pas mal de soutien du club. Il a suivi brillamment sa carrière au sein des pompiers et c'est un réel plaisir. Donc c'est une petite anecdote qui nous met du baume au cœur. Le 18 mai, à la fin de notre championnat qui se déroule au Portel, on sera présent à Lille parce qu'on a une heure de route. Donc on finit notre championnat et on sera dans le parcage niçois à supporter l'OGC Nice en espérant ce match-là gagner et avoir la 4e place pour la Ligue des Champions. Il est en équipe polonaise et c'est un espoir du club. Ça fait plaisir de voir les gens qui veulent être les gardiens comme moi. C'est le meilleur poste. C'est très très dur, mais j'espère qu'ils vont poursuivre ce chemin jusqu'à la fin. Et voilà, on va les regarder en l'avenir. Quand je les vois comme ça, j'ai des souvenirs quand moi je faisais les trucs comme ça. On est venu là ce soir pour présenter un petit peu ce que nous on fait au sein du comité et aussi on est venu proposer des activités qui se trouvent juste à côté avec du handi basket mais aussi du cécifoot. L'important c'est de sensibiliser déjà le grand public à ces disciplines, notamment le paralympisme qui arrive bientôt et aussi de les sensibiliser au handicap. J'ai fait du basket en fauteuil roulant, c'est un petit peu dur. Bah là j'ai joué un petit jeu, franchement c'est bien qu'ils puissent faire partager ça au stade de Nice et Issa Nissa. Deux athlètes sont avec nous ce soir, Pierrick Roumanet en cours de qualification sur le 100 mètres en para-athlétisme auquel Virginie Rossetti remet un maillot floqué aux couleurs de l'OGC Nice. Et Mackenson Gletti, en très bonne position pour se qualifier pour le décathlon olympique grâce à son classement cette année. Pareil, un joli maillot du numéro 10, floqué aux couleurs de l'OGC Nice. On est en populaire en effet, on a été invité, donc on les remercie chaleureusement. On va essayer de faire du bruit ce soir, on va essayer de faire du bruit. Ça fait toujours plaisir de venir supporter les autres sports de la ville, c'est toujours agréable. Je viens supporter mon équipe de cœur, moi qui viens de Nice. Exactement, match ensoleillé, mais malheureusement le soleil s'est déjà couché et j'espère qu'ils vont gagner. Moi je dirais 3-0, un doublé de Kefren Thuram et un but de Bastien Berenguel. Non mais ce que je leur souhaite c'est voilà, une belle victoire ce soir et surtout une très belle fin de saison. C'est tout ce qu'on leur souhaite nous de la part des joueurs du Stade Niçois. Maintenant que vous tenez votre balai, vous l'enfourchez. Non, 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 non.
reprenez-le bien si vous ne voulez pas glisser au bout. Monsieur Landuba. Pour les plus jeunes, Lionel Letizy, c'est d'abord mon idole d'enfance avec Jérôme Alonso, mais aussi 159 matchs avec le GC Nice en Ligue 1 et en Ligue 2 aussi, deuxième division. Vous avez été champion de France, c'était en 1994, si ma mémoire est bonne. Et puis l'équipe de France, et puis Metz, Paris Saint-Germain, les Rangers. Qu'est-ce que vous devenez, Lionel? Alors, qu'est-ce que je deviens? Je suis tous les jours sur les terrains. Je suis à la formation des gardiens de but. Voilà, on essaye de faire progresser, de former des gardiens pour essayer d'un jour d'en avoir un derrière là. Et voilà, c'est un métier passionnant. Je suis arrivé au club, c'est en 85, jusqu'en 96. Après j'ai fait une petite parenthèse messine parisienne et je suis revenu en 2012 et jusqu'à aujourd'hui. Non, pas 2012, je suis revenu en 2007. En 2007, joueur et entraîneur depuis 2012, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc ça fait un petit moment. Parce que ce que je remarque surtout, c'est que je sautais haut et que je rebondissais. Maintenant, je saute moins haut, je rebondis moins. Moi, je suis niçois, je suis né ici. J'allais au Ré quand j'étais petit. J'ai joué dans toutes les catégories de jeunes. J'ai fait toute ma formation ici. J'ai commencé en pro ici. Donc c'est sûr que c'est un club qui a une part particulière dans mon cœur. Après, un club, il appartient à son histoire, c'est tout. Nous, on est vraiment que de passage. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des passages qui sont courts, des passages qui sont longs. L'important, c'est à chaque fois qu'on est là, d'essayer d'apporter quelque chose pour que le club progresse. Dans le style Boulka, il était plutôt Lionel Letizy ou Jérôme Alonso, ou aucun des deux? On n'était pas invité. Au niveau gabarit, on n'est pas invité. C'était une autre. Nous, c'était une autre approche. Ouais. Hein. Ouais, c'est plus un instinct. À l'instinct, ouais. Et puis nous, au jeu au pied, on était tranquille, quoi. Nous, on n'est pas des folies. Mais c'est vrai que Marcine, il a tout. Il est complet des deux côtés, il est bon dans les airs, il est bon au pied. Ouais. Et il fait 2 mètres. Donc c'est sûr que, ouais, il a tout. Et je vous rends votre. C'est lourd, ça. Hein. Et ouais, mais ça, c'est. Ah ouais, là, c'est pas du top. Hein. Ouais, c'est pas du top. Je crois que les deux ils se disent laisse et ils cafouillent un peu et du coup moi j'étais attentif et après je pars avec le ballon et j'ai pensé à faire une passe mais j'ai dit c'est bon aujourd'hui je vais tirer et du coup j'ai tiré et j'ai marqué donc c'est bien. Non, moi je pense qu'elle est cadrée, on m'a dit que ça m'a été accordé, donc voilà, je suis content. Le plus important c'est que ça rentre et qu'on a gagné. Aujourd'hui,
Ouais, le taf il est fait. C'était le premier match des six derniers. Le premier match du sprint final, comme on dit. Et on a su bien négocier ça. On a pris les 3 points. On a marqué 3 buts. Mais voilà, si on veut progresser pour le futur, il faut qu'on arrive à être plus efficace dans la surface adverse. Aujourd'hui, on a été efficace dans notre surface. Mais c'est bien, on la prend, la victoire. Et on a un gros match. On a 2 gros matchs qui nous attendent la semaine prochaine. OGC Nice, je t'aimerai, toute ma vie à tes côtés, je combattrai avec honneur, fidélité. Ce soir encore la baisse, elle va s'enflammer. Isa Nisa ! Vu comment ils ont terminé les derniers matchs avec beaucoup de crampes, est-ce que c'est le bon moment, tu dirais, toi, pour les prendre ? Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais non, c'est comme ça, c'est le calendrier qui fait ça. Après, comme j'ai dit, nous notre objectif c'est d'aller là-bas pour faire un résultat et on sait aussi l'attente qu'il y a pour ce match du côté de nos supporters. C'est très important pour eux donc on va tout donner pour remporter ce match.